Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, on va se reprendre là, c'était la dernière fois un peu plus tard que la conquête de Hordor. Hein. Et ça sera les deux dernières vidéos pour cette série de cette année, hein, bien évidemment. Oui, on y arrive. Hein. Cette série, ça fait un moment qu'elle a commencé et elle va bientôt s'arrêter pour cette année. Donc voilà. Avant tout ceci, on va se passer déjà plusieurs choses. Donc je vais vite fait vous résumer ce qui s'est passé. Alors, j'ai créé tous les trucs Grand Empire de Scandinavie, tous les différents titres que je pouvais créer, et ils ont corrigé le petit bug. Parce que je vous ai expliqué qu'à une époque, quand vous créez les empires païens, vous pouviez plus modifier les lois des royaumes. Maintenant, ça a été corrigé, vous pouvez constater que j'ai pu tous les créer, donc voilà. En créant ça, bien évidemment, j'ai fait une petite guerre et j'ai pu usurper le royaume de Suède. Hein. Mon chef a été soigné de la variole, je crois, je sais plus quelle maladie assez grave, ou c'était une maladie assez grave, donc je sais plus le nom. Et j'ai fait le meilleur mariage, je pense, du millénaire. Ma fille est en mariage matrilinéaire, est mariée à l'héritier du royaume d'Angleterre, qui royaume d'Angleterre a 51 ans, et leur enfant, si c'est un homme, héritera forcément des deux titres. Donc voilà, là c'est vraiment la dernière chose que j'ai fait quand même la plus importante, hein, faut dire quand même. Hein. Et mine de rien, ça fait du bien. De savoir qu'on va pouvoir hériter d'un nouveau royaume. Et oui. Vous imaginez un royaume de plus? Quand vous pensez, j'ai commencé duc de Bourgogne. Enfin, comte et duc de Bourgogne. Un moment, on est passé sous Danemark. Je suis devenu roi de France, roi de Danemark. Puis après, ça s'est succédé assez vite. Et je suis devenu maintenant... on peut dire un grand, hein. Étant donné que je suis peut-être l'Empire, c'est un peu la motardise, je m'en excuse, mais vous dire ce qu'il y a dans cette campagne-là, je crains plus grand-chose, hein. Vous dire ce qu'il y a. Donc voilà. Et il y a eu du mariage, je crois, avec le roi d'Écosse, je crois que... Oui, c'est ça, je suis marié au roi d'Écosse, donc... quelques petits mariages stratégiques par ici, par là, donc voilà. Donc maintenant, on va reprendre, on s'est arrêté, hein. Bien évidemment, je vous résume pas tout. Là, j'ai quelques rendications, si vous avez fait gaffe. Sur Acasti, donc on va faire cette guerre-là. Et je sais plus où va s'armer, elle va ici. Bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, hein, c'est... On va déclarer la guerre, hein. On va tenter... Pas vraiment déclarer la guerre directement, mais on va tenter de récupérer l'Empire Byzantin. Ça sera pas forcément facile, mais c'est un peu notre objectif, hein, de récupérer cet empire. Donc pour ça, ben, on va devoir faire une ou deux guerres. Hein. Je crois que j'ai un casus belli sur Béra en fait. Et si c'est le cas, ben, j'ai envie de profiter... Ouais, bon, on dit que... Donc roi d'Angleterre, ouais c'est ça, les mariages stratégiques que j'ai fait. Et on va appuyer toutes mes revendications. Voilà. Ouh, on y va franco, hein. Non, c'est pas marrant. Hein. La question que je me pose, est-ce qu'ils peuvent traverser? Oui. Donc, voilà. Je vous rappelle une certaine... On va faire beaucoup de guerres, donc voilà, et... Je vous rappelle une chose, c'est quand on est... assez puissant, on peut te proposer des vasalisations. J'aurais pu la dire à moi. Et comme ça, je vais essayer de récupérer comme ça, en fait, ce qui reste de la Suède. Ça évitera de faire des guerres, honnêtement, parce que parfois...
parfois un peu calmer le jeu, comme diraient certains. D'accord. Alors, oui, je regardais aussi un peu ce qui se passait un peu hors dehors. J'ai remarqué qu'il y a une guerre de revendication et elle prend de l'ampleur, faut dire ce qui est. Hein. Il y a carrément en fait des indépendances qui vont se déclarer, hein, et certaines déclarent vouloir la Galice, tout ça. J'ai pas besoin de demain en plus, faut être honnête. Bon, on verra plus tard à qui on va distribuer ça. Hein. Donc voilà, je vais pas vous mentir, ça me manquait de jouer avec vous. Hein. Je vais vraiment continuer, donc j'ai dû mettre en pause où ça avançait. Hein. Et aussi revenir sur les stores de ralentissement, j'ai peut-être trouvé d'où venait le problème. Si j'ai bien compris d'où venait le problème, ça viendra en fait de ralentissement qui viendrait de mon PC, non pas du jeu en lui-même. Et je crois que ça provient de, pour ceux qui ont des cartes Nvidia, la dernière mise à jour. Excusez-moi. La dernière mise à jour a un peu fait planter un peu le bordel, il faut dire ce qu'il y a. A foutu un peu en l'air l'optimisation des cartes auparavant. Et font qu'elles sont moins bien optimisées que maintenant. Et mes ralentissements proviendraient apparemment, si j'ai bien tout compris, proviendraient apparemment de ceci en fait. Donc malheureusement je ne peux pas le corriger. Moi qui voulais à tout prix vous le corriger, ben on va devoir s'en contenter. Jusqu'à ce qu'ils mettent une nouvelle mise à jour, donc quelles que soient mes vidéos. Vous aurez toujours ces gags-là, pour l'instant. Hein. J'espère que pour l'année prochaine, ils nous corrigeront ça. Parce que pour ceux qui ont fait un peu attention, la dernière fois que j'ai eu un problème de chute de FPS, tout ça, c'était une mise à jour Windows qui était celle de octobre ou de novembre qui était mal optimisée. Oui, je sais, c'est toujours sympathique, hein, les mises à jour. Hein. Bon, on va s'en contenter. Techniquement, ça devrait le faire. J'ai bien dit techniquement. Mais bon. Rien n'est moins vrai, rien n'est moins sûr. De plus, on vient de constater que Reynava de Castille vient de mourir. Donc c'est Roi Julio de Castille qui récupère. Très bien. Bon, voilà. Je m'en excuse hein, de ces ralentissements. Bon. On est obligé de faire avec, on n'a pas le choix. Hein. Oh. Mais bon, moi je m'en veux toujours en fait. À partir du moment où je peux pas vous fournir une vidéo de la qualité que je voudrais, moi je m'en veux toujours en fait. Comme une dernière, c'est un minimum que je pourrais vous proposer et je peux pas pour des raisons de. Technique, je peux pas vous présenter ce que je vais vous présenter en fait. Voilà, donc je m'en excuse énormément. Hein. On va faire avec. Hein. Bon, bref. Et donc, voilà, ces petites rébellions commencent à s'intensifier. Je pense qu'il doit y avoir quelques petits problèmes avec. C'est pas encore des grosses rébellions, donc c'est pas le problème, mais des grosses rébellions, des grosses révoltes plutôt, serait le mot approprié. Mais bon, ça devrait le faire. Hein. Donc voilà. Alors, je suis en train de réfléchir en fait à ce que vous avez loupé. Vous n'avez pas loupé grand chose. Je crois que j'ai fait une ou deux guerres contre la Russie. On va vérifier ça. Les traités de paix. Oui, j'ai fait la guerre à la Russie à l'ordre teutonique apparemment.
Allez, tout ça ici. Hein. Bon, c'est dire que j'ai récupéré en fait quelques petites tergames. Bon, c'est vraiment des petites guerres en fait. Vous avez vraiment rien loupé de spectaculaire en bataille, comme je vous ai déjà dit. Les guerres où il se passe rien, je pense pas que vous avez besoin que je vous les montre. Hein. Donc voilà. Cette guerre-là est terminée. Chère demoiselle, je vous offre ce comté-là. J'usurpe dès que je pourrai le duché de Castille. Est-ce que c'est un peu le but? Par contre, je pourrais pas leur déclarer la guerre étant donné que c'est avec lui que je pourrais signer le traité de paix. Ouais. Ce que j'aurais aimé en fait, c'est que la reine de Castille soit encore vivante, comme ça j'aurais eu le traité de paix avec elle, et une fois qu'elle aurait été morte, j'aurais pu redéclarer une nouvelle guerre contre eux. Comme j'ai déjà expliqué, histoire que c'est... Donc le jeu c'est des alliés... Des alliances et des traités par individu vivant. Non pas par exemple empire entre empire ou roi entre roi. Bon. Voilà, on va pas revenir sur comment marche le jeu. Hein. Parce que je pense à force vous devez en avoir ras la casquette. Hein. Bon. Certaines choses aussi, je vous ai jamais montré toutes les cartes, donc je vais vous les montrer. La carte terrain. Syracuse. Bon. Syracuse, vous voyez ça. Donc là c'est tout ce qui est terrain uniquement inutile. Royaume indépendant, bah, celle que je joue tout le temps. Vous savez qui a quoi. On va son diplomatique. Alors j'explique. Ce qu'il y a en vert, c'est tout ce qui est vassal. Qui vous aime pousser fonce. C'est ça, je crois, pousser clair, je sais jamais. Toi tu m'aimes comment? Non, toi tu m'aimes pas bien. Bon, en gros, c'est les liens diplomatiques entre les personnes, je sais plus, c'est plus effoncé, plus ils vous aiment, ou voilà, il y a une histoire d'ordre de couleur. Hein. Ce qui est jaune, c'est-à-dire il dépend d'eux. Donc ce qui est jaune dépend d'eux. Ce qui est bleu, c'est les personnes avec qui ils sont alliés. Par exemple, je suis allié au roi d'Écosse. Et mes cibles potentielles. Mais si pot... Voilà. Vert, c'est ce que je peux faire. Hein, c'est tous mes vassaux. Bleu, c'est personne en qui je peux aider, c'est mes alliés. Rouge, c'est personne en qui je suis en guerre. Et vert, c'est les personnes sur qui je pourrais revendiquer des choses. Hein. Vous voyez, je peux... Ouais, c'est... Ou des choses pourraient être revendiquées. C'est-à-dire, il sait pas, je pourrais revendiquer ça, ça... Bien évidemment, toutes les terres saintes, je pourrais revendiquer avec des guerres saintes. Hein. La religion, bien évidemment. Hein. Quand c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a deux religions qui se partagent en fonction des couleurs. Hein. Bon, chrétien, rouge, orthodoxe, vert, voilà. Culture, culture de chaque empire. Franc, occidentaux, allemand. Parce qu'à une époque, c'était la culture qui vous permettait de créer les différents titres. Par exemple, pour créer le royaume de Bretagne, il fallait être de culture breton. Maintenant c'est plus le cas. Donc voilà. Économie, plus c'est vert comme ça, plus vous gagnez. Plus c'est rouge, moins vous gagnez. Plus l'économie est faible. Hein. Duché de jure, c'est de base. Quand vous créez un duché. Quand vous créez un duché, en fait, c'est sur quoi il revendiquait le duché. Le duché de Bourgogne, c'est ça, son duché de jure. D'eau de Bourgogne, c'est ceci. De Toulouse, ouais. Vous voyez, par exemple, Aragon, le duché d'Aragon, c'est ça, le duché de Barcelone, c'est ça, de Navarre. Donc en gros, c'est duché de Jure. Et royaume de Jure, c'est de base, c'est royaume, en fait, sur quelle terre revendique les lois du royaume, en fait. Galice, Léon, tout ça. Donc c'est sur quoi sont revendiquées les lois du royaume. Aragon, c'est tout ça. Le royaume de France, de base, c'est ça. Quétaine, les lois sont là-dessus. De Bourgogne, c'est ça. Et après, bien évidemment, plus vous êtes terre, si vous en faites votre tête principale, plus... l'espace contrôlé par votre royaume de couronne est importante. Empire de Jure. Ah oui, j'y pense, royaume de... Tout ceci, ça vous permet de savoir en fait ce qu'il vous faut pour usurper ou créer le titre. Par exemple ici, pour Navarre, par exemple, il me faudrait ces deux trucs là pour usurper ou créer ce titre là. Parce qu'il faut avoir plus de 50% des titres pour ce qui est créer un duché ou un royaume.
Et pour un empire, faut 4. S'il n'est pas créé, je crois qu'il faut 50%. Et s'il est déjà quelqu'un, il faut 80%. Alors là, on voit les différentes lois, hein. Et ce que vous avez constaté, c'est que je sais ce que vous allez me demander, pourquoi j'ai des pointillés? Parce que en fait, ces personnes-là dépendent non plus. Là, par exemple, on va regarder les lois du. Est-ce qu'on pourrait. Je sais comment on va faire. On va faire semblant de vous ordonner, par exemple, je sais pas à qui. Hein. Toi, par exemple. Faudrait que je trouve quelqu'un en fait déjà avec un certain titre, donc lui non je sais pas, j'ai envie de voilà, j'ai envie de t'accorder un titre foncier, non voilà. Normalement vous voyez le Saint-Empire c'est là-dessus, non en fait non, ça va pas. Donc, alors, ah c'est bon, j'ai compris. Alors, tout ce qui est gris de base, c'est comme ça devrait être de Saint-Empire. Et au bout de 100 ans, le Rome de Lotharingie dépendra non plus de Saint-Empire romain germanique, les lois, mais de l'Empire de France. De même pour le Danemark, vous voyez. De même pour la Norvège. De même pour ça. En gros, si vous préférez, plus un royaume reste longtemps dans un empire, plus ils dépendent de votre titre principal en fait. Moi, pour Rome d'Italie, il va bientôt plus dépendre de l'Empire romain, mais bon. Les risques de révolte très important. Tout ce qui est rouge, c'est là où vous avez plus de révolte. Donc ici, troupes religieuses, donc il y a beaucoup de risques de révolte. Ici, ici. Ici aussi, j'ai beaucoup de risques de révolte. Ici. Et là. Donc voilà, ça vous permet de vite voir où vous avez révolte. Les dynasties, le truc peut-être le moins utile, mais bon, ça peut être utile, surtout quand vous êtes entre joueurs, hein, en multi. Ça vous permet de savoir les dynasties, quelques dynasties contre toi. Moi, je vous rappelle que je suis dynastie de Besançon. Donc, dynastie de Besançon, surtout ça. Donc, c'est plus une carte par dynastie. Donc, opinion, comment les gens m'aiment. Plus c'est rouge, moins ils vous aiment, plus c'est vert, mieux ils vous aiment. Donc si on devrait faire un avis vite fait, là on me déteste beaucoup, c'est le Saint-Empire. Mais vassaux direct. Je sais plus du tout se dire quoi ça vassaux direct. Ah! Ça affiche sur quoi règne en fait directement la personne en fait. C'est vassaux. Non, je sais plus. Bon, les zones marchands, ça c'est pour ceux qui en République, c'est les endroits y contre leur comptoir. Zone marchand familiale, ça on s'en fiche, j'ai pas la carte. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit tour parce que je sais qu'il y en a qui voulaient savoir exactement un peu plus en détail comment étaient constitués les Anglais. Donc, je vous ai tout montré, expliqué ce que je savais, parce que je suis pas quelqu'un qui connaît le jeu par cœur. Hein. Donc, voilà. Et bien évidemment, on va continuer nos petits. Siège de chalet, hop. On va continuer toute notre petite guerre. Et les hors d'or, dès que je peux, je pense que je redéclare. Ouais, je redéclarerai un bon coup la guerre. Parce que je suis en paix contre les hors d'or, mais. Bon, très bien. Bon. Il y a toujours beaucoup de guerres, je l'avoue. Hein. Très bien, je peux revendiquer ça. Donc on va ici. Vous constatez que je grignote petit à petit quand même l'Empire byzantin. Notez-le bien. Grâce notamment au fait que j'ai les. Voyez. Du fait que j'ai des vassaux qui ont des revendications dessus, en fait, je me permets, c'est même pas je me permets,
Je déclare la guerre pour revendiquer et compléter mon royaume. Et il y a une guerre sainte que nous devons faire assez rapidement. C'est... Au pire, il soit fait tout de suite. Hein. Ça serait pas pour Nazbi. Ça serait pour récupérer le Caire, en fait. Pourquoi j'ai besoin de déclarer une guerre pour le Caire? Parce que vous avez en fait à récupérer... Attends, on va récupérer ça déjà. Gardou. Duché de Cordoue. Parce que vous avez besoin de construire en fait plusieurs villes pour recréer l'Empire romain, Rome, Constantinople, Jérusalem, Antioche et Alexandrie. Si je me trompe pas. Parce que je vous rappelle que je n'ai... Oh mince, je... Non. Ah... Oui, je vous explique, je voulais en fait tuer directement le roi d'Angleterre pour que j'ai plus de problème en fait, pour que j'ai toute cette revendication dessus que je récupère. Mais j'avais oublié de l'enlever. Parce que je me suis rendu compte que vu l'âge qu'il avait, il devrait bientôt mourir en fait. Bon, voilà. Alors comme j'ai commencé à dire, il y a plusieurs endroits qu'il faut contrôler, hein, endroits... tout conséquent, et il est demandé de les avoir pour justement pouvoir créer le titre hein, d'empire. Mais heureusement, tant que j'ai pas Constantinople, je ne peux pas vous dire c'est lesquels exactement, parce que de mémoire il me faut Constantinople pour être vraiment au courant des lieux qu'il me faudrait. Oula. Ah alors là par contre ça fout la merde là. J'aurais dû dire non. Bon, l'erreur est humaine, c'est pas grave. Hein. Parce que en fait je suis allié aux deux. Qui dit allié aux deux dit que j'ai... Que je peux aider les deux en fait. Et là j'ai pas envie d'aider en fait. Le problème c'est que si jamais c'est l'Écosse qui gagne en fait, c'est l'Angleterre qui est défavorisée et j'ai pas envie que ce soit l'Angleterre qui soit défavorisée. Vu que techniquement j'ai bientôt hérité de l'Angleterre. Bon, tant pis, c'est qu'un territoire, pire je referai une guerre pour récupérer, c'est... Par contre, toutes ces rébellions commencent vraiment à... à être exaspérantes. Donc, notre guerre se déroule extrêmement bien. Et tout, sans vouloir me vanter, mais quand vous êtes un empire qui est toujours sous les guerres de... un peu les guerres civiles, là. Contre un empire comme moi qui... une guerre civile, j'en ai quasiment pas, hein, faut pas mentir. J'ai pas de guerre civile à proprement parler où j'ai mes vassaux qui se sont rebellés. J'ai des rébellions de temps en temps, quelques indépendants, c'est pour ça que je garde certains encore prisonniers. Parce que j'ai fait un grand tri ici pour que j'ai quasiment plus de personnes emprisonnées. Hein. Ok, vous envoyez un cadeau. Vous faites mettre fin au complot. Et hop, vous voyez.
Allez, l'Angleterre, il y aura peut-être besoin d'un coup de main en fait. Bon bah, je vois pas ce qu'on peut faire de plus là. Les Lombards, ça doit être des mercenaires je pense, les Lombards. Ouais, je suis bon. Elle pourra me remercier, je vais diminuer les dépenses qu'elle a contre eux. Voilà. Mine de rien, je progresse vite, oui. Et je sais que vous vouliez le dire, donc je vous le dis à votre place, je progresse assez vite. Mais bon, ça c'est un détail. Hein. Bon. Et on lève nos troupes, on va se ric. Maintenant, guerre suivante. Où est-ce que on peut... Voilà, par exemple. J'ai des duchés de Jure. Hein. Bon, Ilégé, c'est ici. Vous voyez, Mérégé. Ilégé, Ilégé, d'accord. Oui, tout ça, ça appartient à Ilégé. C'est à Crète. C'est assez intéressant, je trouve, ces cartes comme ça, ça permet de... Ouais, ici, très bien. Ça m'avait de savoir un peu où on en est. Où on en est pour usurper en fait les différentes îles, par exemple ici. Est-il là, elle dépend peut-être de justement mon duché, mais bon, je regarderai ça juste après. Dans ce sens, il y a quelque chose de plus urgent, c'est de venir Oh, mais je me suis encore planté. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai cru que je m'étais encore planté de personne. Si c'était le cas, là, j'étais sacrément maladroit. Et ce que nous allons faire là, c'est que nous allons lever... Allez, comme je vous dis, je m'en excuse, j'ai ralentissement, mais c'est un des dernières... C'est horrible. Donc ce qui est bien avec les républiques, c'est qu'ils ont le plus souvent pas mal de flottes, les républiques historiques. Hein. Quand je dis historique, par exemple, vous prenez Venise, Gênes, tout ça, c'est... Niveau flotte, ils ont pas mal de troupes. Ils ont pas mal de flottes. Hein. Niveau navire, tout ça. Donc si vous en avez besoin, vous allez vers eux et vous aurez ce qu'il faut. Hein. Moi, j'ai meilleur temps de lever. Voilà. On va lever. On va lever. 3000 hommes. Voilà. Bon. On lève assez d'hommes, donc c'est pas le problème en fait. Au niveau hommes, on a énormément. Mais bon, c'est pas dire parce qu'on a beaucoup d'hommes que c'est facile de gagner. Hein. Faut être honnête. Mais bon, pour cette revendication de l'Angleterre, je sais que vous voulez tout de suite l'avoir. Je
dois vous dire qu'on verra ça dans la prochaine vidéo. Et oui, il n'y a pas eu beaucoup de choses, on a vu que j'ai fait beaucoup d'explications de différentes cartes. Mais bon, c'est le jeu. Donc je vous dis à la prochaine fois. Et retrouvez-moi vite dans la vidéo suivante. Allez, tchuss tout le monde.